Ouais, parfait. Ouais, bon ben, a priori, on est de retour. Parfait. Alors. Maintenant que j'y pense, est-ce qu'il faut pas que j'aille voir l'autre con, justement? Enfin, le mec dans les geôles. Oh putain, vivement que les coiffeurs reprennent du service, putain de bordel de merde. Je n'ai que quelques instants. Quoi? Je vous écoute. En principe, ici ça réouvre le 11. Je me trompe pas. Je n'ai que quelques instants. On les geôles. Shotback a dit qu'elle me laisserait partir dès que les papiers seraient remplis. Je dirai à tout le monde ce que vous avez fait pour moi. Vous voulez ces chaussures? Elles ne m'ont fait que de m'apporter des ennuis. D'accord, je les prends, vas-y. Chaussures dans le goût exquis. Waouh. Que ça pile plus 10. Quoi? Conserver mon cul, ouais. Je vais les vendre au premier trou du cul qui passe. J'ai juste vêtements de corps comme ça. Tunique d'un goût exquis.
On sort déjà pas trop mal, hein. J'ai quand même sept... presque 9000 septimes, donc ça va. Regardez-moi ces rayons de soleil. T'aurais montré ça en 2002, les gens ils seraient pissés dessus, quoi. Ah bah on cherche la merde, on la trouve, hein. Ah, d'ailleurs. Il faudrait que j'installe quand même un petit mode de texture avec. Ouais, c'est ça. Ouvrir la fenêtre. Désormais cette merde maintenant. Problème dans la cam. Oh, des textures plus détaillées, du relief. Il y a certains modes qui mettent du bump mapping, mais à mon avis, ça va juste tuer le FPS. Est déjà pas ouf vu que le jeu n'est pas tout récent et que tout ne fonctionne pas super bien. Écoute, il y a des meufs qui stream comme ça, s'il te plaît, avec pantalon moulant et bien entendu position ergonomique gaming, les deux pieds sur la chaise. Bonjour les copains, les choupinous, hein? Alors, please! Contenu à guicheur. J'aurais eu un col en V, peut-être. Mille pièces d'or, parfait. Personne n'a jamais Vodou en question, mais... Oh, bordel de merde. Un maître de la sécurité vit ici à Balmora. Ah bah si, c'est seulement qu'il s'agit d'un Aldmer. Peut-être pourrait-il aider à renforcer la sécurité du mur du sud. On verra, Tanami. Pour l'instant, il faudra se contenter de ma magnifique chevelure et du peu de... Comment ? De poitrail que je montre. Et merci pour les 10 bits. Un maître de la sécurité vit ici. Mon dieu. Ouais, là le volume mammaire, là, je crois qu'on est un peu... Tu vois, je suis comme cette bouteille d'eau, là. Je suis plat. Ok. Faudra
faudrait que je fasse de la muscu histoire d'avoir des pecs, tu vois. Oh putain. Tu peux pas avoir plus d'infos? Ah. Le maître de la sécurité est un Albert résident en ville, c'est tout ce que je sais. Bref. Que la journée soit. Oh, salut Tanaoui, y'a pas de problème. Le potelé t'avait repéré. Moi, si on veut l'Urk, moi, y a pas de problème. Je vais pas non plus chercher à empiéter sur le Lurky. Appelez ce Mathius. Les seuls Almers de Balmora sont Culumer, que vous trouverez au Verrou du Voleur, Estir Dalin, qui est le membre de la Guilde des Mages, Imar, qui réside au manoir du Conseil Halu, on se m'a dit Lalou, Nalkaria l'alchimiste, et enfin Esserind et Thiermeilin, qui sont tous deux dans une maison ici. Verrou du Voleur. Bon, attends. On m'a dit que les seuls Almères de Balmora qui résident au Verrou de la Chance. Bon, bah, on va voir ça. Verrou de la Chance. Peut-être. Enfin, ouais. Je vais aller voir Neufortail, c'est aussi un des mecs qui fait partie des lames. Des lames qui pourraient me donner de l'entraînement. Ah, bon prix. Athlétisme, illusion, discrétion. Ça veut des réponses. De Skyrim. C'est pas dans Oblivion plutôt. Enfin, dans Skyrim, il y a pas énormément d'extensions. Hein. Je saurais vraiment pas dire.
Il y a celui avec les vampires et les loups-garous, il y a celui avec la maison. Et l'autre, franchement, je ne saurais plus dire. Être masqué. C'est peut-être possible, je ne saurais pas dire, franchement. Encore. Je pense pas que c'est. Il va m'aider. Qu'y a-t-il? Lumière qui réside au verrou de la chance. Estir Dalin qui loge à la guilde des mages. Estir Dalin, la guilde des mages, allez. Des mages par là. D'où venez-vous? La porte, connard. Mais prends pas. Plus de thunes toute. Bon, j'en ai. Pardon, 18. Ok. Et on sort. Regain de santé. Perso. Problème en fait, c'est que 20 à 80, en fait, je saurais pas. C'est trop pour mon niveau. Du coup, on va en faire un bien soft. Perso. 30, c'est peut-être déjà beaucoup. La puissance maximale ne peut être inférieure à la puissance minimale. Ah. Ça marche parfois.
Le mur du sort de sensor oublié, blablabla. Que peut faire une cagite pour vous ? Oui, Bosmer, que désirez-vous ? D'abord la vision, puis la convocation. Voilà qui est trop. Ah. Bon, on a vu Verrou de la Chance, Guilde des Mages, Imar au manoir du conseil de la Loue. La Louse. Imar. Manoir du conseil de la Loue. Vous avez quelque chose à me dire ? Je doute que qui que ce soit lève le petit doigt si quelqu'un a volé sa réserve de vin coupé d'eau. Ma boutique a bien plus besoin de sécurité. On vole des tas de choses et il n'y a pas de voleur ici. Alors. Alchimiste et enfin et sa résine et. Armeline qui ont tous deux une maison en ville. Et ces rindes.
Ah, le man... Ok. Je l'ai pas au bon endroit, en fait. Mur à sécurité du Mont Sud, qu'est-ce que vous racontez? Présentez-vous donc. Que voulez-vous? Et récent, ok. Vous aimez prendre des risques? Ouais. Je vis une vie dangereuse, je saute dans les escaliers. Mer du Sud. Je veux bien reconnaître que j'ai fait preuve de négligence vis-à-vis de la guilde. J'accepte que vous de vous aider à rendre le mur du sud plus sûr. Dites à Dent de Sucre que je suis à sa disposition. Parfait! RS1, t'es le maître de la sécurité, il accepte de nous aider. Ah bah s'il trouve que cela est bon, car il ne se passera pas longtemps avant que la tongue décide de nous attaquer à nouveau. Bravo, capuche noire, si votre tête est mise à prix pour des crimes que d'autres pensent que vous avez commis, Abbasid va arranger ça. Abbasid, pardon. Parfait. Tête est mise à prix. Si vous entendez mes amis, il n'y a pas grand monde qui pourra vous arranger le coup. À Balmora, adressez-vous à Feinriel. Aldrun, c'est l'angle de crapaud qu'il vous faut aller voir, Hassan. Allez voir, blablabla. Tous pourront faire en sorte que vous ne soyez plus hors la loi, mais ce ne sera pas gratuit. Oh, ça va, c'est pour ça. C'est pas vraiment ça que je cherchais. Félicitations, vous êtes désormais exécutant. Je peux toujours pas m'entraîner, putain de bordel de merde. Petit boulot, on n'a pas de petit boulot pour vous. Demandez à Ingoth, le joaillier, à Aldrun. Ou à la Grande des Landes à Sadrith Mora. Ok. Je ne peux rien vous apprendre d'autre sur ce talent. Ok. Bien sûr. Que la journée vous soit agréable. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. Bon, bah on a fini cette... cet arc, on va dire, de mission. Rapport à Kazé, blablabla. Ah oui, c'est vrai, on peut. Enfin, non. Je suis encore chargé comme un mulet. Cette merde.
Toc. Ok. Il achète des potions, genre de conneries. Ça, il achète. Ok, parfait. Ça aussi. Ça aussi. Si, ça. Les diamants, on va les laisser bien gentiment là où ils sont. Ça, parfait. Non. Qu'est-ce qui fait que je suis aussi lourd que ça? Ça. Hop. Excellent. Qui me tape. Ouf. Je n'ai pas de temps à vous accorder, Bosmer. Non, je me suis bloqué tout seul. Fuck. Vous oh, ça va être chaud de faire ça. Quoi. J'aimerais savoir comment mon crime a été rapporté aux autorités.
hache de guerre d'Ouemer. Et je prends. Épée de Vana en acier. Ouais, d'ailleurs. Oups. Carrément, ouais. Génial, je réussis à finir ce combat de merde et le jeu crash. Je n'ai pas de temps à vous accorder, Bosmer. Oh putain, la longe qu'il a, son enculé. Je n'aime pas trop la façon dont il se rapproche, lui. Voilà, très bien. Par contre, ça va me coûter une blinde aussi de compenser le massacre de ces quelques technos. Très bien. Attendre apparemment. Oui, on va tout mettre dans le petit coffre. Ah. Merde. Quand même une gestion d'espace. Bon.
Difficulté de la serrure, très bien. 40 à 60, du coup ça va pas aller. On va réparer. Ah. Ce qui fait qu'on est toujours un tout petit peu en surcharge, mais c'est pas grave. Hop. Trophée de guerre. Je joue avec ça, moi. Ah, si tu supprimes le cadavre, en fait, ça... Ok, je crois que j'ai compris. Ok.
blague. C'est vide. Maintenant, on va me dire que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Regardez le cavalier, là. Il veut sa prime, le mec. Hein. Il va venir me chercher. Regarde, là, ils sont en train de faire la course. Ils m'attraperaient jamais. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Alors. Je vais dire qu'il va être l'heureux élu, mais ouais, je me suis retrouvé bloqué dans le sol. 4400 pièces. Ouais bah mes bourses sur ta tête aussi. Putain. Avec son masque. Ouais bon, on va vendre à quelqu'un d'autre parce que lui il a pas l'air d'être très enclin à mettre des prix sympas.
aller au tailleur pour vendre les vêtements. Ça va être bien. Il y a mieux, j'espère. Bon pour lui, ça. C'est à quel sujet, Bosmer ? Ok, du coup j'ai 3 milliards de marteaux dans le coffre là. On va en récupérer quelques-uns. J'ai 3 milliards de potions, il y a un alchimiste dans le coin. Armurier. Pardon, on va aller voir l'armurier. De quoi s'agit-il ? Normalement, lui vend des armures, on est d'accord, mais je lui vends des coupe-coupe. Ouais, un coupe-coupe. Et c'est tout en fait. Déjà mieux. Bon bah du coup si jamais j'ai besoin de marteau je sais où je dois aller. Les potions, l'alchimiste. Je sais plus où il est. Kéniste, armurier.
Triple. En face. Mais non, l'alchimier, il est ici. Alchimior. Que voulez-vous ? Comment augmenter son acrobatie ? Dites ce que vous avez à dire. De me les racheter à ces prix-là. Vous parlez trop. Et je t'emmerde aussi. Ouais. On va retourner voir. Larius Varro, qui se trouve à Fort Falen. Il est pas trop loin, je crois. Ouais. À peu près par là. À vol de Ifrida. Racer. Apparemment, il a une item pour nous en récompense. On va voir ce que c'est. J'espère que ça en vaut la peine parce que 4000 putains de pièces d'or, je vous jure. T'es où ce con? Le chapitre de la plupart des crimes prend la forme d'une amende compensée. Ouais, on s'en bat les couilles. Les gens mal intentionnés sont de la caméra. Il s'agit d'une organisation criminelle. Mais j'ignore si on fait partie. Les gens refusent de me parler car je suis un représentant de la loi. Mais les guildes des voleurs détestent les caméras. Donc, et je parie que vous apprendriez vite qui sont ces gens mal intentionnés qui vous. Ouais. Je vois que tout a été réglé et sans créer de problème d'ordre juridique. Ce qui est remarquable, bravo pour votre discrétion. Je suis heureux d'avoir enfin retrouvé ce cadeau que vous destinait l'empereur. Tenez, on dirait bel et bien un anneau. Aucune note ne l'accompagnait. Je le crains, mais je dirai à l'empereur que je vous l'ai remis. Je suis sûr que cela lui fera plaisir. Et pour ma part, je souhaite vous remercier en vous offrant ce livre faisant partie de ma bibliothèque personnelle. Anneau de mimétisme fait désormais partie de votre inventaire. La reine Louve, livre 1, fait désormais partie de votre inventaire.
Ok. Anneau de mimétisme, valeur 12 000. Ok, ça peut aller. Caméléon, 20 à 30% pendant 30 secondes. Charge 190. Bon, ça ne va pas autant que je l'aurais voulu, mais bon, bah, on va faire comme si. Hein. Que je ne l'utiliserai jamais. Anneau ostentatoire, tu te bats. Et Ah, quoique. Et qu'est-ce qu'il m'avait donné aussi en livre ? Rares sont les personnages historiques considérés malfaisants par tous, mais nul doute que Potémia, reine blablabla. Salut la reine. La reine, l'énerve. Oh là là, je suis fatigué, c'est pas grave. L'énervarine. Ok, on est bon. Ouf. De fait. Ouais, je crois que j'ai un niveau à passer en plus. Non, j'ai rien dit. Je n'ai que quelques instants. La forme. Peut aller, on a vu Pia. Comment que ça va? Un garde m'a dit que mes agresseurs étaient sans doute membres de la confrérie noire et que cette dernière a donc dû lancer un contrat sur moi. Il m'a suggéré d'aller voir Alex Mathius, de quoi il devait là pour dire. Belle et le bandit, on s'en fout. Faisons la loue, la mort de Ralenalo. J'ai retrouvé le corps de Ralenalo. Ouais. Cool. Oh, et Caius qui a. Ouais, ça c'est vrai. Du Nil au nord. J'ai entendu parler du Nil au nord de Vanderfell, appelé Solstheim. Il semble qu'un fort impérial appelé Fort Molen y ait été construit. Apparemment, un bateau partant de Kul fait la liaison jusqu'à l'île de Solstheim. J'imagine que c'est un DLC. Je dois aller à la ville de Balmora. Blablabla. J'ai donné à Caius Casales le document. Et à part l'ordre de l'empereur, Caius Casales m'a dit au sens de l'ordre de l'âme, le service de renseignement a parlé avec le rang de novice. Caius sera mon maître espion et je devrais lui obéir. Bon, bah j'imagine qu'il faut retourner le voir. Ouais, bon bah disons que c'est un jeu de 2002 et le gameplay est pas super engageant, donc je comprends que c'est pas un jeu extrêmement joué. Après je te préviens, c'est mon premier run dessus, donc ne fais pas en ulcère si je fais de la merde. Il est où l'autre con d'ailleurs? Côté. Alors. Ouais. Attendez-vous, les instructions ont eu des questions au sujet de votre mentor de l'ordre de l'âme. Ouais, j'attends des instructions. Nous sommes des espions, nous servons Dieu et doré à l'emploi dans toutes les provinces de l'Empire. Nous servons vos ennemis. Nous surveillons ses ennemis, nous intéressons à toutes les opportunités intéressantes, nous rédigeons les rapports aussi complets que possible. Nous obéissons à chacun des ordres de l'Empire, mais nous sommes qu'une une des multiples guildes de Morrowind. Faites-vous vous dire une situation politique avant de vous impliquer dans l'un de ces groupes. Ouais, j'ai remarqué beaucoup de plus petits jeux ou des jeux avec des communautés un peu moins grandes en fait sont russophones. Et pas pourquoi. Bah en fait,
Disons qu'à la création du personnage, j'avais pas spécialement bien compris le principe des talents principaux et secondaires. Du coup, j'avais choisi un talent principal et un talent secondaire. Sauf qu'en fait, il faut en choisir plusieurs. Donc, j'ai recommencé une nouvelle partie. Et du coup, lui, il veut qu'on fasse quoi ? Vous avez vous entendu dire qu'un Fortin est un meurtrier, mais je le connais depuis de nombreuses années et je sais que ce n'est pas lui. Jugez-en par vous-même, en sortant de chez moi, prenez l'escalier sur votre tour de sa maison et la première à gauche. Je vous merde. Ça veut quelque chose. Pourquoi cela ne le demande-t-il pas ? J'entends les rumeurs que l'on raconte, mais je ne suis pas un meurtrier. Je pense que quelqu'un propage sciemment des rumeurs que je suis un étranger, un argonien. Ok. Ouais. Pourquoi est-ce qu'un argonien s'appelle Neufortail ? Alors que... ouais, donc... Concrètement... Ça, normalement... Elle semble bouleversée par sa situation, elle ne retrouve pas ses mots pour me remercier. Elle m'a suggéré de rendre visite à son ami Amusette Braque qui vit à Tel Aaron. Je pense qu'il serait intéressant que je rencontre cette femme, blablabla, ok. Pas trop ce que je peux faire. Mais si. ouais, bon bah... La confrérie noire, c'est en DLC, je crois. Il honore aussi. Rapport à Caius Cosades, pas trop ce que je pourrais faire de plus. Ah mais les documents, ils attendent ses ordres, mais s'ils me donnent pas d'ordre, je fais quoi? Combat sans armure, éloquence, ouais. Ah, merde. Eh bien, il suffit de vous regarder pour vous ranger dans la catégorie des aventuriers, ce qui est une excellente couverture par ici, tant les aventuriers indépendants sont nombreux dans la région. Veuillez toutefois vous conformer à ce rôle pour ne pas attirer l'attention. Bien, je désordre pour vous si vous le voulez. Vous venez pour de nouveaux ordres. Bien, je veux que vous alliez parler à
Asphat, rentabolise de la guilde des guerriers de Balmora. Demandez-lui ce qu'il sait au sujet du culte secret de Nerivarin. De celui de la sixième maison. Il vous demandera certainement de lui rendre une faveur en préalable, et ce ne sera sans doute pas agréable, mais exécutez-vous tout de même, revenez me voir dès que vous aurez notre information. Ok. Au fait, Asphalt, j'ai envie de dire Asphalt, mais bon, c'est... Eferu d'histoire de Morrowind, profitez-en pour accroître votre éducation. Je possède également quelques livres d'histoire ici, n'hésitez surtout pas à les consulter. Il serait trop bête que vous soyez en rouage important de notre histoire et que vous ne la connaissiez pas. Ah bah c'est con ça, parce que... la guilde des voleurs, en fait. Parce que je voulais faire... discrétion archi... Sauf que c'est pas super, mais bon, soit. Du coup, j'ai fait la... Je viens de terminer, il y a pas longtemps, l'émission de la guilde des voleurs. Enfin, de Balmora. Puis qu'apparemment, il y a encore deux autres endroits où je peux aller en faire. À qui je veux parler ou pas. Asphalt, ouais. Je me demande si elle m'a entendu. Quand vous voulez. Je vous écoute. Bonne journée, vous êtes avec Caius, hein? Caius veut des informations, naturellement, c'est donnant-donnant. J'attends de vous une faveur, puis je vous dirai ce que vous voulez savoir. Les ruines d'Hemmer sont toutes proches. J'aurais besoin que vous alliez m'y chercher un petit tube orné d'encerclé de plusieurs symboles sur l'une de ses faces. On appelle cela un casse-tête d'Hemmer. Ramenez-le-moi et je vous dirai ce que vous voulez savoir. Parfait! Ouais, le Khajiit me l'a fait savoir. Très exactement. Hop. J'ai le droit au remerciement de Basile en dessus pour avoir du sud. Blabla, elle dit qu'il y a besoin de régler. J'imagine qu'il fait référence à la mort du verre de Blabla. Blabla. Bref. On avait eu le dialogue, mais ouais. Bon, oui, les ruines de Hemmer. Je vais faire faveur. Il faut que je me rende aux ruines de Hemmer Darkntad. Je dois y trouver un petit cube avec moi aussi, blablabla. Ouais. Trouver d'autres ruines. Pardon. Ok Nero, passe une bonne soirée, une bonne nuit. Et à demain. S'il y a bien stream demain. Il est bien gentil le bonhomme, mais j'allais lui demander où se trouvent les ruines. Les vieilles ruines de Hemmer, blablabla, sont très détendues à la surface comme sur Terre. Prenez au sud, passez devant le port de l'échassier des marais, puis traversez le pont de la rivière d'Odage. Sur le panneau bifurqué au nord, vers Caldera, tout de suite un autre panneau indique Molagmar. Prenez à droite et prenez la route montant vers le vieux pont d'Ouemer, jeté par-dessus la Foyada Mamaka. L'entrée d'Argna se trouve de l'autre côté au sud du pont. Trouvez la manivelle pour ouvrir la porte. Ouais! Ouais! Mais ouais! Évidemment! Disparition des nains. La disparition des nains est enterrée aux premiers esprits impériaux.
écrit impérieux, pardon. La tradition orale d'Unmer veut que les Dwemer aient été totalement éradiqués par les dieux, qui souhaitaient les châtier de leur impiété et de leurs pratiques profanes. Leurs ruines sont éparpillées sur tout le continent et l'on trouve souvent des armes, armures, pièces et autres objets de facture Dwemer, mais les circonstances exactes de leur disparition restent l'un des plus grands mystères de Tamriel. Ok. Est-ce que j'ai déjà mentionné que c'était mon premier run sur Morrowind ? Je crois que oui. Disons, j'aime bien les jeux, mais bon, bah, ça s'arrête là. Je suis pas spécialement fan du lore et tout ça. Voilà. Ça l'afficher sur la map au moins, non ? Bien sûr que non. Bah, la map est pas si grande, hein. À force de tourner en rond, je tomberai bien dessus à un moment, non ? Juste en mode, histoire d'ajouter certains effets comme les shaders, l'eau que tu peux remarquer qui est un peu plus propre que celle d'origine. La distance d'affichage beaucoup plus élevée, ainsi que occlusion ambiante et ce genre de conneries. Rix il se tape des barres sur son orage. Ouais, j'ai bazardé mon arc. Bordel de merde. Les menus sont tellement petits, c'est casse-couille de voir les items. C'est pas lui. C'est ça. Et donc on est bien sûr, je l'ai bazardé. D'où venez-vous ? Bazardé ou bien je l'avais tapé dans... des coffres. Impossible non plus. Évidemment, il n'y a aucun de ces technos qui vont dark.
potable. Vivez qui en aura peut-être. Mais c'est une... C'est un labyrinthe ce truc. On rappelle très bien. Nous faisons le trajet juste pour vous. Et le prix reste toujours aussi bas. Les guildes des guerriers, ils vont dessous ? La première fois, j'avais justement hésité à rejoindre la guilde des guerriers, mais au final, vu qu'ils étaient plus corps à corps et ce genre de conneries, je me suis dit, bon bah, tant pis. Taux de lancer, tantôt. Il est plutôt mêlé, il y a quelques shurikens. Et des couteaux de lancer. Hop là. Entraînement. Entraînement. Ne tentez pas trop la chance. Ah. Alors, que vous dites ? Il y a l'armurier, mais... Eh bien, de quoi s'agit-il ? Ils vont pas d'arc. On a le... Donc celui d'ailleurs. Marchand général ici. Mais ils vont pas d'arc de bonne qualité. Arc en kitine. Des armes de mêlée. Sinon, d'autres marchands ici. Ne tentez pas trop la chance. Même la guilde des voleurs, cette espèce de trou de balle, il veut toujours pas me vendre le truc. Au rasoir et bêcher, ouais, peut-être. Hop. Ah, arc long, 1-20. Ouais, on revient... C'est à tout où j'étais avant. Arbalète. 20-20. C'est sympa ça. Il y a vraiment que deux types d'arc ou quoi? Avant, j'avais un joli arc en argent que j'avais été volé à Pélagette. Bon, ces ruines, elles doivent se trouver quelque part par là, j'imagine. Non, j'ai ces ruines là aussi que j'avais pas fini de visiter. Et si je vais là, c'est moi qui vais me faire ruiner, mais je me saute. Allez-y. J'aimerais y aller. Tu bloques le chemin, connard. Thank you.
Oh putain, il a éclaté l'arc. Katana en acier. Ça se rend, hein. Faites vous faire don de 35 pièces d'or et recevoir une bénédiction. Allez, yolo. Guérison de maladie commune, guérison de fléau, guérison de poison, force intérieure de vélote, guérison d'almes. Magie fortifiée. Ah putain. Joli, piégé dessus, je l'ouvre. C'est pas grave. Y'a quelque chose à faire avec ces trucs là ou bien... efficace. Vous le méchant. Ah oui, ok, c'est anti-temporel. Ok, ça va pas le faire. Dernier enfer, réduction de santé 2 à 4 points pendant 3 secondes. Oh. Pardon, mais mon temps est précieux. Ne faites pas trop attendre. Venez-en, en fait.
Ok. Ouais, voilà, les shaders fonctionnent très bien, parfois. Pioche de mineur. Le poison quoi. Ah mais ça termine un jour en fait. Maintenant je vais crever. Non. Bonne. De ces merdes là. L'arc c'est pas trop ça. Thank you.
truc, c'est que je sais pas, le poison, il a l'air de durer des éternités. Rien de fatigue. En invisibilité, ouais, bon. C'est pas ouf. Commandement des créatures, ouais. Ouais. Pourquoi est-ce que eux, les asticots, ils les attaquent pas? Putain, ok, le venin, quoi, mais qui... Il te laisse, mais aucune chance, quoi. Putain. Mère. Thank you.
c'est tout. Bordel de merde, quoi. C'est que pour que ce genre de bot soit encore d'usage, ça veut dire que ça fonctionne. C'est particulièrement absurde. C'est bien à quel point j'adore tirer des milliards de flèches, de balles ou quoi que ce soit sur mes ennemis sans qu'ils meurent. Que je viens tout juste de massacrer des tonnes d'innocents pour rien en fait. Ça fait de l'XP. Thank you.
chaîne de choc. Ah si, j'étais déjà passé ici. J'étais déjà passé. Oh, oh, oh. Wow. Comment se faire one shot en une leçon? Ça a l'air sympa ce truc là au fond. Ne tentez pas trop la chance. Bonjour, devriez faire attention dans le coin, il y a des hors-la-loi sanguinaires. Je ne vous raconte pas ce qui peut arriver si on ne fait pas attention. Oh oui, nous vivons vraiment une époque dangereuse. On vous tranche la gorge pour un oui ou pour un non, à tel point qu'il est recommandé de ne rien transporter de précieux. En fait, je crois qu'il vaudrait mieux me confier votre or, disons. Mais va niquer ta mère, hein. Un peu contre-indicatif, une bestiole enflammée qui court dans l'eau.
Je peux bouger, oui. C'est ici qu'on meurt. D'Edric rouillé. Ok, rassurant. Ouais, je pensais être dans un temple d'Oemer, mais ouais, effectivement, c'est absolument pas ça. On est dans un temple d'Edric. Très bien. Discrétion passe à 50. Bien, du coup, bonne nuit, Lysorix. Okay.
Bah dans Skyrim, je trouvais ça chiant en fait, parce que c'était des putains de labyrinthes et que tu prenais des dégâts de partout. Et cette putain d'araignée increvable. Bon. C'est vrai que dans Oblivion, il n'y avait rien de tout ça en fait. De l'efficacité de mon action actuelle. Aucun dégât. Et je vais finir noyé alors que les autres ils ont pas besoin de respirer en fait. Des orques aquatiques. Et des orques qui vivent sous l'eau. LOL! Deux d'affilée quoi.
Épée courte en argent. Ah, bien. C'est déjà mieux. Plus consistant. Donc le coup normal, c'est le coup de taille, j'imagine. Je sais pas. Ça, c'est les stocks, ça, c'est la taille. Ça c'est la taille, asséné et stock. I do not like this. Spirituel moins bon. Hors des ennemis à proximité, ouais. Panneau de nuages toxiques. Pardon. Robe de Goex. Ouais. L'alchimie passe à 11. Pardon. Mortier et pilon de maître. Très bien, j'aurais pas besoin d'acheter. Creuset de maître. Cornu de maître. Alambic de maître.
Étant donné que je n'ai aucune idée de comment tout cela fonctionne, ça va être bien. À mon avis, ça doit pas être bien compliqué non plus. On peut au revoir. Le truc, c'est que ces haches-là pèsent un petit peu moins lourd, mais se valent tout de même un bon prix. Là, c'est que j'ai encore 15 coffres à ouvrir et... À mon avis, on va encore s'en tirer avec 3 milliards de conneries. Différentes. Vous avez réussi à préparer une potion. Waouh, ok. Quand même pas ça. Cette merde, la pompier, voilà. Ouf. Ouais, rien de bien folichon non plus. De skooma de qualité. Je prends. On a 4 kilos à devoir bazarder. Pardon. Oh. Peau de galopin, ouais, de gare, pardon. Pas grand chose. Bon, par contre, là, je suis clairement dans des zones où je suis pas censé être à mon niveau. C'est parti. Faut qu'il allait se perdre au milieu de la flotte.
Ton patron. Ah! Réserve de marteau. Et c'est le spam. C'est XP par un putain. La réparation. Ah, ok. Je veux dire, j'espère que t'as préparé des thunes, mon gros, parce que là, tu vas pas être déçu. Pas 1005 et normalement il devrait même accepter là. Parfait. Eh bien, de quoi s'agit-il? Ça passe encore en fait. Courte en argent, ouais. Akizashi. Il faudrait que je le trouve en argent en fait. Lame courte. Ah, il peut prendre ça. Enfin, ouais, il peut.
Il me faudra une baraque, histoire de taper ma merde. Le truc d'alchimie, je pense que ce serait pas mal de les garder de côté, même si je les utilise pas. Bon, Vivek. Pourquoi marcher quand une monture est disponible? La gueule de l'étendard, j'imagine que ça c'est la zone marchand. Thank you.
Voilà, JXP vite, tiens donc. Oh putain. Je crois qu'en entraînant l'armure légère aussi... Ça augmente Donc déjà augmenter la vitesse et ce genre de conneries, ça augmente la vitesse à laquelle on va, forcément. Mais en même temps, en augmentant la capacité d'utilisation de l'armure actuelle que tu portes, ça augmente ta vitesse avec et tout le bordel. Du coup, je flotte dans les airs, en fait. Ouais, c'est l'inverse. Bah ici c'est pas opti peut-être. Heureusement, il a pas mis la fin de ma phrase, mais bon. Stop. Dépêchez-vous avant que je change d'avis. Mon temps est précieux, alors faites vite. On a l'impression d'être sur la lune, quoi. Mec là au bout en plus. Combo ancestral. Ah mais complètement. Hein. Attention à ce que vous faites. Nous n'acceptons pas les fauteurs de troubles. Je vous aiderai si je le peux, mais je n'ai guère le temps. Ferme ta gueule alors. Qui a-t-il? Où est-ce que je pourrais trouver des armes? Vous avez des trucs pour faire mal? Pas bien.
Et vous vendez vraiment que de la merde ou c'est fait exprès? Boutique. Je suis pas eu au bon endroit en plus. Ah! Nous vous surveillons. Qui est-il? Bon, il y a un marchand qui s'appelle Aluzaron dans les quartiers étrangers ou je sais pas quoi. Il s'appelle Aluzaron. Comme tu de moi après avoir dépensé tout ça. Soumettez-vous à la puissance des trois, des esprits, des seigneurs. Parlez. Qu'y a-t-il? Mon temps est précieux, alors faites vite. Si vous cherchez les ennuis, vous allez les trouver. Bon monde est absolument charmant. Thank you.
Ah, ça doit être là. Ouais, c'est là. Que voulez-vous ? Pas lui, mais... Il vaut que de la merde. Je suis très occupé. Si vous pouviez aller un peu plus vite. Si vous voulez quelque chose, il faut le demander. Arc long d'ossement. 1 à 30 de dégâts. Putain, enfin on parle. Il pèse moins lourd que celui que j'ai en plus. Flèche d'ossement. Et ben voilà, on s'en est enfin sorti avec une arme un peu plus décente. À peine. À rien, mais à skip ça fait un peu plus de dégâts, juste dégâts de 1 à 30. Vous pouvez pas être plus bas non plus, de plus, genre ça te rendait de la vie, mais ça peut aussi t'enlever de la vie. Bon, de 1 à 30. Pourquoi marcher quand une monture est disponible ? Bon, là-dessus par contre, j'en peux plus, faut que j'aille bouffer, faut que j'aille dormir. Du coup, j'espère que ce petit stream vous aura plu, et on se retrouve peut-être demain, je ne sais pas, sinon ce sera... Peut-être dans le courant de la semaine, hein, comme je le dis à chaque fois, mais je le fais jamais. Donc voilà, passez une bonne soirée, une bonne nuit, et à la prochaine. À plus.